Oh, je suis fatigué, j'ai pris un coup de barre. Voilà. Je suis déprimé avec tout ce qui se passe, hein, toute la merde là. On revient de Food Factory. Moi, je connaissais pas Food Factory. Je suis passé par hasard par là, j'ai vu ça là-bas. Le problème, c'est que c'est bien Food Factory. J'ai même pas dit bonjour au coach, je me rappelle pas. Salut, oui. Je suis fatigué. Food Factory, c'est. Je préfère. Maintenant que je connais ce truc-là, je vais partir là plutôt qu'aller à McDo ou aller à Quick, quoi. Ça n'a rien à voir. C'est. En frites, je suis bien servi. Le sandwich est bien, ça va. Et voilà quoi. C'est grand, il y a beaucoup de choix, Ouais, c'est c'est grand. rapide, c'est spacieux. T'es pas comme à la cantine dans certains restaurants, là t'es tout serré, tu ressors ta main à la tête et tout. Ah ouais, comme. Là t'es bien, tu vois, t'es espacé, t'es tranquille, il n'y avait rien autour de nous, t'es tout seul. Non, ça va, c'est Tu bien, c'est vois. tranquille. Ouais. Les gens, ils sont bien, le service, il est bien. Le sandwich, quand il arrive, il n'est pas embouilli ou il transpire pas comme dans chez les kebabs là. Ouais. Tu voyais bien, c'est présentable, Ça c'est va, bon. ça va aussi. Ça va, au même niveau prix pour 8 euros, je trouve que ça va, c'est raisonnable. Hein. Frites Tu fraîches. vas manger. Bon, frites fraîches, moi j'étais un peu déçu des frites. Pourquoi? Parce que, je sais pas, ils avaient l'air sèches un peu. Je sais pas. Peut-être qu'ils les ont fait trop cuire, ou je sais pas. Moi, pour moi, je sais pas. J'avais pas l'impression que c'était des frites. Le goût il était bien, mais voilà. Trop salé. Non, Moi non, je trouvais que c'était trop salé. non, moi ça va, moi les miennes, c'était pas salé, moi. Non, je suis fatigué. Les miennes, c'était pas salé, non. Les miennes, non, c'était pas salé. Ouais, ça va. Sinon, t'as vu, il y a une grande variété de plats. Tu peux prendre des pizzas, tu peux prendre des plats asiatiques, tu peux prendre des burgers, tu peux prendre des sandwichs. Il y a des desserts aussi. Dessert sucré, dessert salé. Ça va, tu vois, pas mal de choses, pas mal de choix. Ouais, il y avait du choix. Hein. Il y avait plein de choses. Et je vais tester la prochaine fois. Là, parce que j'ai pris un truc basique. Bon, ça va, ça passe. Vraiment, ça passe. Vraiment, rapport qualité-prix en pleine inflation. Tu manges pour. Y a même des trucs à 5 balles et tout, non? Ouais, mon menu, moi, il a coûté. Ouais. 7 balles et sans les frites à la boisson, c'était 5,50 €. Ça va, c'est raisonnable, Ouais, ça va, c'est raisonnable. 7,50, je crois, c'est. Ouais, 7,50, c'était avec le Ça prix de va, ça boisson. va, en pleine inflation et tout, c'est raisonnable. C'est vrai, c'est C'est bon en vraiment plus, hein. raisonnable. T'as goûté, hein, ouais, le mien. Ouais, j'ai goûté, mais Ouais. bon, j'aime pas trop quand c'est un pain viennoiserie. Ouais, On un pain dirait que c'était brioché, de tu veux dire. la. Ouais. Moi, ça va, Ouais. j'aime bien, Je ça sais va. pas. Moi, l'hamburger, j'aime bien le manger sans qu'il soit. Voilà quoi. Dans un pain brioché. Ouais, parce que après tu perds, ben, je sais pas, le mélange entre le salé et le sucré, quoi, c'est pas Moi terrible. ça va, j'aime bien, ça change. Ça change de l'ordinaire, quoi, tu vois. T'apprécies mieux, on va dire. Faudrait aussi goûter les pizzas parce qu'elles sont vraiment très très bonnes. Mais je Ouais, sais qu'en ce ouais. moment t'es pas trop pizza, toi. Non, parce que en ce moment, voilà. J'ai bouffé beaucoup de pizza dernièrement. J'en ai mangé une hier surgelée. Bon, mais bon. Je suis un peu gavé des pizzas. Je suis un peu gavé des pizzas. C'est plus trop mon truc, quoi. C'est quoi toi le plat qui te tenterait pour la prochaine fois? Ben, en ce moment, avec toute la merde qui m'arrive là, avec ce truc-là, vraiment, j'ai plus mesure. C'est un Ouais, ça truc va de venir. fou, c'est un truc de fou. J'ai la tête que dans ça, quoi. Vraiment, regardez mes dernières vidéos, vous allez comprendre. Hein. C'est un truc de taré ce qui m'arrive en ce moment. Hein. C'est un truc de fou, quoi. Je vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo, mais vraiment, ça m'a plombé le moral. Ça m'a niqué la tête. Hein. Moi, je peux vous le dire. Hein. Vraiment, c'est un truc de taré, quoi. C'est un truc de fou. Jamais eu ça de ma vie.
C'est une première, hein. Sérieux. Ça va aller. Jamais j'aurais dû passer dans cette rue de ma vie, sérieux. Mais bon, comment je pouvais savoir? C'est un truc de fou. Les farceurs, Il est là-bas, il est ah, il est là-bas. là-bas. C'est des guerres hein, dans les années 90. Oh putain, tu m'as niqué Désolé. la putain. C'est la chaise, désolé. Voilà. Ah, j'ai jamais entendu un bruit comme ça, voilà. Voilà, j'ai jamais entendu un bruit comme ça, voilà. Je sais pas comment t'as fait. J'ai bougé la chaise aussi. C'était un bruit strident, quoi. Ah. C'est spacieux, c'est tranquille, c'est incroyable, quoi. C'est vraiment incroyable. Bon, après, il y avait deux mecs derrière moi. Je sais pas, on dirait qu'ils écoutaient ma conversation et voilà, j'ai pas aimé ça, quoi. Après, ils se sont barrés, quoi, direct. Ah ouais, je sais pas, j'ai pas aimé quoi. J'ai pas aimé parce qu'il y a un moment, je me suis retourné, je l'ai regardé. C'est vrai, on a parlé un peu trop fort. Là, on est en train de parler de ce qui m'est arrivé en ce moment et tout. Et vraiment, c'est un truc de fou quoi. L'affaire quoi. Voilà. C'est un truc de taré quoi. C'est un truc de fou quoi. Ouais, c'est bizarre, cette affaire. Enfin, on va pas parler ici. Déjà, ça m'a niqué la tête. Voilà. Ça va aller, t'inquiète. Les bons prix, voilà, pendant l'inflation, vraiment c'est un bon endroit pour partir. M'intéresse même plus en même. Parce qu'en fait, quand Casse les t'es. couilles, vraiment. Elles sont jamais contentes, Hassan. Non, Casse les c'est pas couilles. ça, c'est trop de tapage de pause. Trop de tapage de pause, prennent tout ton temps, jamais contentes. Casse les couilles, frère. On devra prendre une meuf un peu plus tard, J'ai pris l'habitude de vivre comme ça. Ouais, mais il n'est pas encore très tard. L'année prochaine, ça va faire 10 ans que je vais vivre tout seul. Ah bon, il est bon, mais. En fait, ça se mange vite, quoi. C'est pas comme un kebab, quoi. Prends une chose, personne, c'est encore pas. Voilà, prends une chose. Voilà. J'ai été chez elle, on me dit rien. Je vais voir les flics, on me dit rien. Donc je comprends pas. Ouais, faut couper. C'est un très bon endroit pour partir. Voilà. Voilà, on va en finir là. 8 minutes suffisant, on va pas parler 10 ans. Voilà. Voilà. Bonne expérience d'ensemble. Combien sur 10 tu mettrais toi? Oh, je mets 8 sur 10. Je mets Ouais, 8 8 sur sur 10. 10. Une bonne note, 8 sur 10. 8 sur 10. Bon, après, voilà. C'est vrai que ça se mange vite. Voilà, tu mets 3 crocs, ça y est, quoi. C'est. Voilà. Mais bon, après, voilà, c'est tout. Quand même, j'en ai eu pour mon argent, ça va. Pour 8 euros, ça va. Ça va, c'est bien servi en frites. Voilà, c'est. Des menus à 8 euros de nos jours, on n'en trouve plus. Hein, vraiment, c'est devenu rare. Hein. Ouais, ça n'existe plus. Tu vas chez Gur, c'est 10 balles. 11 balles presque. On se bat. Vraiment, peut-être bientôt, il va le mettre à 15, hein, j'en sais rien. Mais, bon, mais vraiment, l'inconvénient, c'est qu'il est dans un endroit retiré. Il est bien caché, quoi. Il est au fond de la zone commerciale. Il est au fond de la zone commerciale, il est caché. Il est vraiment caché. Si tu passes par là, tu devines pas qu'il y a ça ici, quoi. Moi, je suis passé à pied pour voir ça, moi. Je le savais même pas. Je sais pas, ça fait combien de temps qu'ils sont là? 2 ans, non. Non, ça a ouvert en novembre 2022, je crois. Ouais, ça va faire 1 an, quoi. Ouais, ça vaut. Vraiment, vraiment, ça vaut le coup. Vraiment, ça vaut le coup pour le prix que ça coûte.
Vraiment, ça vaut le coup. Vous mettez 2 € de plus qu'un McFurst ou je sais pas quoi là. Bon, McFurst, attention, c'est pas dégueulasse à manger. Mais après, à force d'en manger, après, t'es Écœuré. gavé, t'es gavé. T'es gavé à force d'en manger. T'atteins ta limite, quoi. Oh non, après, on dit que la bouffe dehors, c'est pas terrible. Mais après, quelqu'un, quand il est célibataire, ben voilà, c'est la seule solution, quoi. D'aller bouffer dehors, quoi. Voilà, quoi. Pour moi, c'est ma seule solution. J'ai pas de femme avec moi, j'ai rien. Donc, j'ai pas d'autre solution que j'ai plus le goût de cuisiner. La cuisine, ça m'intéresse plus. Voilà, l'énergie, ça coûte cher et tout. Donc, ça me fait des économies que j'allume pas la plaque. Voilà, je mange direct. Voilà, je cherche la facilité. Hein. Voilà, que ce soit même au niveau du RSA et tout. Voilà, quand je vois qu'un mec, il va aller se casser le cul pour un SMIC, hein, vraiment, sans os. Sans rien, même pas en prenant compte l'inflation, rien du tout. Il travaille comme si qu'il n'était pas en inflation. Il travaille dans le salaire. Il travaille pour le salaire normal qui était évalué avant l'inflation, quoi. Donc il se fait baiser dans l'affaire, quoi. Il se fait baiser. Il se fait baiser, quoi. Bah oui, il se fait baiser. Moi, je vais aller travailler pour 1200 ou 1300 €. Je perds mes aides, je perds tout. Je me retrouve à payer tout plein pot. Et je me casse les couilles pour. Je me casse les burnes. Je me nique la santé pour que dalle. À l'usine. Je te jure qu'en France. Pas rentable quoi. En France, c'est pas rentable pour un salarié d'aller travailler. Moi, je vous le dis devant la caméra. Voilà. Il y a. Si tu veux pour 1200, tu l'as. Nathalie Arthaud, elle voulait mettre le SMIC à 2 000 €. Elle voulait le mettre à 2 000 €, Nathalie Arthaud, si elle passait présidente. 2 000 € je trouve que les jeunes, ça aurait motivé les gens. Quand je vois les gens qui vont aller travailler dans des McDo de merde, ils travaillent comme des esclaves pour 800 balles par mois, à aller récurer les. Voilà, ça me fait quelque chose de voir ça, de voir des. Ils ont aucune considération, ils sont là comme des chiens. Vraiment, McDo, c'est pas. Moi, jamais, je préfère être au RSA qu'aller travailler au McDo. Moi, je vous le dis. Jamais. Il faut tenir la pression, etc. Il y a une forte pression. Il y a vraiment une très forte pression d'aller bosser au McDo. Vraiment, c'est pas donné à tout le monde, hein, moi je le dis. Hein. Vraiment, aller bosser au McDo, voilà quoi. C'est pas donné à tout le monde, hein, moi je vous le dis. Il faut avoir de la patience. Après, voilà. McDo, c'est un monde vraiment. Quand tu regardes l'envers du décor, vraiment. Ça ne donne pas envie, Que ce quoi. soit McDo, que ce soit n'importe quelle. Enseigne de restauration rapide. Hein. Je vais pas citer d'autres enseignes, bien évidemment, mais voilà, les salariés, ils sont mal payés, ils sont pas payés à leur juste valeur. Et voilà. Voilà, regarde, j'ai les yeux explosés, je vais arrêter la vidéo. 13 minutes, c'est assez. Voilà. Allez, salut.